Bonjour. Drapeau à 15 points chacun, on en était à 450, 60, 70, plus 30 qui restaient tout à l'heure, ça fait 500. Je veux plus jouer à ça, c'est complètement débile. De toute façon, il reste plus d'animaux, il y a que des immeubles là. Ben contre les drapeaux, ils valent 15 et il y en a plein. Non, c'est pas vrai, les drapeaux du golf, ça compte pas. J'ai raison, hein, papa, ils comptent pas les drapeaux du golf. Selon le règlement international des jeux en voiture, le chauffeur doit rester impartial. Grand lâche. TRF, Microchip International. Oh, ça doit être le paradis des ordinateurs, ce truc-là. Les ordinateurs vont pas au paradis, t'es idiot. Tu connais rien aux ordinateurs, alors tais-toi. Roby, sois un peu plus gentil avec ta sœur, s'il te plaît. C'est parce qu'elle t'aime que ta petite sœur cherche à faire comme toi. Je n'aime pas du tout. Oh, je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Oh, on t'a confié les projets spéciaux. Et tu te rends compte que je vais enfin faire partie d'une grosse boîte. Ils ont besoin de 109, tu vas leur en apporter. Tu ne regrettes pas ta décision, non? Non, pas du tout. Ce sont les années de vache maigre que je regrette. Toutes ces heures à travailler comme un fou, ces hivers avec la neige jusqu'aux genoux. Ça n'a pas été si dur, tu exagères. Je trouve que ce qui nous arrive est bien mérité. C'est au tour des Winslow de goûter aux joies de la vie, vous êtes d'accord? Ah oui. La neige, moi j'adore ça. Parce que c'est pas toi qui dois pelleter. Regardez les enfants, c'est là que votre père va travailler. J'aime pas là où papa va aller travailler, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on voit pas les gens à l'intérieur de la grande maison. Nous y voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est un beau château, n'est-ce pas, chérie? Allez, viens, Napoléon. Oh, c'est magnifique. Je te l'avais dit que tu l'aimerais. Oh, je suis content. Hey, vous allez voir le jardin à l'arrière, un grand jardin avec une belle pelouse. Allez, viens voir. Oh, elle est encore plus belle que le souvenir que j'en avais. Et tout ça, c'est à nous. Oui, même les versements hypothécaires. Hé, Christy, attends-moi. OK. Voilà, mieux vaut tard que jamais, hein? J'ai jamais vu une cuisine aussi extraordinaire. Ma chérie, je vais te mijoter des petits plats dont tu te souviendras. Oh là là, quel bruit. Où est-ce que ça va, ça? Je le mets par là? Oh oui, attention, c'est précieux. C'est le 21e siècle que vous avez entre les mains. Une minute, s'il te plaît. Quoi? Napoléon, tu descends de là tout de suite. Matt, j'aimerais que tu sois gentil d'aller mettre tes histoires d'invention et d'ordinateur dans ton bureau. Mais c'est mon bébé. C'est un membre de la famille. Je m'en contrefiche. Nous ferons de cet endroit une maison, pas un laboratoire. Dis-toi bien que c'est uniquement parce que je t'aime que je le laisserai au lab. Très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu t'amuses? C'est l'inventaire de mes affaires. Comme ça, si vous perdez quelque chose, je saurai tout de suite. Eh, on perd jamais d'affaires, nous. Ah oui? Et la tablette de chocolat, où elle est passée? Ben, faut regarder. Elle est sûrement quelque part.
Il n'y a plus d'enfants. C'est effrayant. Merci. C'est dur de dormir dans un endroit qu'on ne connaît pas, je sais, mais il va falloir que tu t'y fasses. Et nous voici comme les petits oiseaux dans le nid, les petits oiseaux dans le nid, les petits oiseaux dans le nid. Et nous voici comme les petits oiseaux dans le nid, nous attendons qu'on nous donne la béquille. Et nous... Ah, enfin le livreur de pizza. Ça m'étonnerait que ce soit le livreur de pizza, il aurait frappé à l'avant, non? Moi je pense que c'est un zombie. Non, j'ai peur. Allez, arrête. Vous, petit garnement, vous allez recevoir une grosse taloche. C'est le chef qui doit prendre en main ce genre de situation. Tu veux t'en occuper? Ah, il n'en est pas question. Là maintenant, regarde. C'est des zombies, c'est vrai, hein? Ils font toujours des trucs comme ça. Robbie, t'es pas drôle, arrête. Alors c'est elle, Jenny. Je l'attends rien. Oui, ça tu peux dire. Je savais que t'aurais peur. Alors attention, j'ai apporté un petit quelque chose. Le premier gratuit et une contribution légère pour les autres. T'as pas changé de l'université, un sens de l'humour très particulier, ce cher Thomas. Et toujours le même flair pour la gastronomie, à ce que je peux voir. Ok les enfants, alors vous ne mangez que les surfaces molles. L'idée des masques vient de Tom. C'est un peu une répétition pour nous. Il y a un bal masqué au club dans 3 semaines. Oui. Avant tout, bienvenue au paradis. C'est gentil, merci. Bon, alors on ouvre une bouteille et je te montre la cuisine. Bonne idée. Oh, c'est formidable, vraiment. Je t'assure, quand j'ai entendu dire que tu venais, je t'avoue que ça m'a fait très plaisir. Oh, merci. Tu dois y être pour quelque chose, ça m'étonnerait pas. Pas du tout. Oh, c'est la nouvelle de ton invention qui s'est répandue et dès que la compagnie l'a su, ils ont voulu que tu sois dans l'équipe, c'est normal. Tu es un type brillant, je te promets. Tu es presque un génie, non? Non, je peux pas te contredire. Ils ont entendu parler de mes détecteurs? Ah oui, tu parles. Et pour toi, c'est magnifique. Une compagnie énorme derrière toi, t'es tranquille, ça, je peux te le garantir. Oui. Et c'est moi qui les vends. Alors, ça fait ton affaire, ça fait la mienne. En fait, j'ai fait ça dans mon intérêt, c'est tout. Une petite chanson, hein? Une chanson, qu'en dites-vous? Ce serait une circonstance. L'étudiante sérieuse diplômée en musique, tu te souviens? On chantait toujours autour de 2 vieux pianos dans le bar. Écoute. Est-ce que c'est le même? Non, mais il est aussi faux. Il joue faux, c'est effrayant. Ah oui, t'en es sûr? Ne vous en faites pas, le temps des pianos faux comme des casseroles et des canapés défoncés, c'est fini, c'est le passé. Alors détendez-vous, laissez-vous aller. À votre santé. À notre succès. Santé. Le temps des pianos faux comme des casseroles et des meubles défoncés, c'est le passé, Matt. Dit le perroquet bavard quand ils virent enfin l'île au loin. Et ils vécurent parfaitement heureux dans leur magnifique appartement de Miami Beach. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, chérie, une touche de poudre de sommeil ici et un soupçon de poudre de sommeil là. C'est l'heure où ma jolie poulette en sucre va dormir avec les anges. Oui, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit.
Qui est-ce qui gagne? Les plasmiques ont détruit 3 de mes avions de chasse. Mais j'ai pu envoyer la base militaire en sécurité dans l'hyperespace. Bon, maintenant que la galaxie a retrouvé paix et bonheur, tu peux sûrement dormir, non? Ouais. Si je viens de sauver une galaxie, comment ça se fait que j'ai pas le droit d'aller avec Jimmy à la soirée de l'Halloween? Qui te l'interdit? Il paraît qu'il faut être membre si on veut y aller, tu te rends compte? C'est parce que ça se passe dans un club. Et ils sont membres, eux? Ils vont l'être bientôt. Il dit que tout le monde ici est au club et ceux qui y sont pas encore, ils veulent être membres par tous les moyens. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je crois que Jimmy est idiot. C'est un bon esprit critique, tâche de ne pas le perdre. C'est une de tes plus grandes qualités. Allez, dors vite. Comment vont les enfants? Oh, ils vont très bien. La maison va très bien. Le chien va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Est-ce que tu sais seulement combien je t'aime? J'ai l'impression que je ne t'ai pas vue depuis 150 ans. Le déménagement, les enfants. Comment as-tu passé cette première nuit? J'ai dormi comme un enfant de cœur. Larry Ferris, Matt Winslow. Enchanté. Larry est mon parrain au Steaming Springs. Tu sais le club? Ah oui, Tom a beaucoup parlé de vous. Je pense qu'il arrive à M. Peterson de parler à tort et à travers. Ici, à Microdigitech, nous préférons plutôt nous taire. Bienvenue, Matt. Merci. Copain Ferris a tout le côté chaleureux du serpent à sonnette. Oh non, tu verras, il faut apprendre à le connaître. Je crois qu'il était furieux parce qu'il voyageait dans ma vieille bagnole aujourd'hui. Vous ne faites pas le trajet ensemble tous les jours? Avec Ferris? Non, c'est mon patron. C'est lui qui dirige le service. Bon, je crois qu'il avait un pneu crevé. J'ai eu l'impression que ça l'avait mis en colère. Il devait être tellement malheureux dans mon taco. Grace, je vous présente un vieux copain d'université. Grace Anderson, Matt Winslow. Enchanté, Monsieur Winslow. Oh, appelez-moi Matt. Je vous ai posé un manuel d'opération sur votre bureau ce matin. Non, merci. Tu verras, hein, c'est une perle rare. Bon, alors là, c'est mon bureau, tu me connais, j'ai pas changé, c'est le foutoir. Alors, on passe donc par-dessus, on va voir le tien. Oui. La porte à côté. On est voisins. Pas mal pour un début, hein? Oui, c'est bien. On continue. On va voir ton bébé. Allons-y. Les gars! Et voilà, le gouvernement veut qu'un homme débarque sur Vénus dans moins de 3 ans. Sa combinaison sera fabriquée par Microdigitech et mise au point par nul autre que vous, cher ami. Qu'en dis-tu? Eh bien, ça me paraît intéressant. Je le crois aussi. Parce que là-haut, il risque d'avoir un petit peu chaud. Il vaudrait mieux qu'il ne finisse pas en pomme de terre frite. Bon, tu remarqueras, regardez, il est également prêt. Armé. Allez, c'est déclenché. Attaque. Ça doit faire mal, un joli trou. Je te garantis qu'il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Un vrai tueur. Regardez ça maintenant. Vas-y, place le chargeur lance-flamme. À propos, comment tu manges ton steak? Un peu calciné ou pulvérisé? Un petit peu plus saignant.
Allez-y, envoyez. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui, c'est pas mal. Pas mal? Oh. Non, c'est du beau travail. Et voilà. Et quel équipement vous lui avez intégré jusqu'à maintenant? On met la phase. Eh bien, intégrer la combinaison, la radio, les armes, l'oxygène. L'essentiel pour maintenir la vie. Mais on compte sur toi pour les touches finales. Bon, on liera mes détecteurs au système d'ordinateur central. C'est ça, en fait, ce qu'on veut, c'est une autonomie complète. Qu'il se débrouille tout seul. On veut que la combinaison puisse penser. Le gars à l'intérieur ne doit surtout pas se sentir comme un boudin, il doit être à l'aise. Si tu peux nous donner 2 semaines, ta combinaison pensera. Elle informera automatiquement son porteur de tout ce qui se produit autour de lui. Et en douceur. La température, l'atmosphère, la présence de petits hommes verts dans les environs. Quoi, elle pourra détecter d'autres êtres? Elle sera capable de prévenir le porteur de la présence d'animaux ou autres? Mais mon ami, nous sommes en train de fabriquer la combinaison du 21e siècle. Si on y pense d'ailleurs, on y est presque. Oui. Tu sais, Mary m'a emmené voir un magasin de meubles extraordinaire. Tu imagines ce que ça donnerait si on remeublait complètement, hein? Chrissy, le petit déjeuner est prêt. Alors d'accord, si ça coûte vraiment trop cher, on pourrait toujours faire rembourrer le divan. Tu m'écoutes un peu, Matt? Matt, veux-tu lire sur mes lèvres « La maison a l'air d'un foyer pour étudiants ». Ah oui? Et alors, c'est sympathique. Je voudrais des meubles neufs. Je veux une maison dans laquelle on se sent bien. On est adulte maintenant. Tu travailles pour une grosse entreprise, je suis la femme d'un type important. Tu veux que les enfants aient honte d'amener leurs amis chez eux, c'est ça? Ah non, tu triches. T'as pas le droit de te servir des enfants pour ça, non, c'est pas juste. C'est vrai que t'as honte d'amener tes copains chez nous, Rabbi? Quels copains? Bon, comment ça va à l'école? Il a coulé son premier test de maths. Comment est-ce que t'as pu faire ça? Ben, j'étais pas en forme. Ah, bonjour, Jimmy, entre. Bonjour. Ta maman n'est pas avec toi? Non, elle est au club. On va devenir membre demain. Alors papa et maman sont allés signer des papiers. Je sais pas exactement. Oh, c'est formidable. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Oui, c'est Billy Ferris. Ton père travaille avec son père. Je lui ai déjà parlé de tes ordinateurs, c'est pour ça. Salut. T'as Astral, le bombardier? Oui, bien sûr. Alors je te parie $20 que je te bats. Je parie plus pour de l'argent, mais toi, tu dois être du genre à te vanter, je crois. Viens. Je reconnais mon fils. Ils sont vieux, les meubles, dis donc. Allons acheter des meubles neufs. Oh, oh Matt! Oh, tu es tellement gentil. Oh oui, trop. Oh. Thank you.
J'ai connu des pierres qui parlaient encore plus que vous, je vous assure. Si on parle pas, c'est qu'on n'a pas envie, c'est à cause de Billy Ferris. Pourquoi Billy Ferris? Oh, regarde. Oh, attention! Oh, merde! Vous n'avez rien, les Personne enfants? Personne n'est blessé? Non, ça va, on n'a rien. Vous n'avez rien, vous êtes sûr? On est sûr. Vous êtes malade, vous auriez pu nous tuer. On a deux enfants avec nous. Je suis absolument désolée. J'étais tellement pressée. C'est entièrement de ma faute, j'en suis Ah oui, ça c'est vrai, c'est de votre faute. Vous êtes assurée. Quel est le nom de votre compagnie? J'aimerais beaucoup vous aider, Matthew. Mais je suis pressée, je vous l'ai dit. Chrissy et Robbie n'ont rien eu, je crois. Patricia non plus. C'est vrai, ils n'ont rien, mais... Tom Peterson m'a dit beaucoup de bien de vous et de votre charmante famille. Peut-être viendrez-vous me voir un de ces jours au club, je l'espère. Je ne connais même pas votre nom. Jessica Jones. Le club, c'est moi, je suis directrice. J'en suis très heureux, mais j'aimerais connaître le nom de votre compagnie d'assurance, si possible. Je ne pense pas que ce soit le moment, Monsieur Winslow. Mademoiselle Jones est très pressée. C'est juste. Et je vous le répète, je suis désolée de vous avoir dérangé. Dérangé, mais... Et ma voiture? Elle vous impressionne peut-être pas, mais j'en ai pas d'autre. Il va falloir que le train avant soit réaligné. Nous nous occuperons de tout ça, monsieur. Soyez tranquille. Allez donc joindre votre femme et vos enfants. Ça fait 20 ans que je conduis, c'est la première fois que je vois qu'on traite un accident comme Matthew. Ça. Matthew. Matthew, permettez que je vous appelle par votre prénom? Je ne vois absolument pas pourquoi. Non, vous comprenez, nous sommes une très petite communauté qui a des rapports amicaux. Voilà pourquoi on règle les choses un peu différemment ici. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui, je comprends, mais je n'aime pas du tout. Allez, viens, Matt, c'est rien, on retourne à la maison, OK? Salut, les enfants. Allez, bonne journée, hein? Madame Winslow, à la prochaine. Et soyez prudents, Matthew, d'accord? Vous êtes à présent admis dans le cercle des initiés. Et grâce à ce bain symbolique dans notre très ancienne source, vous rejetez à jamais le monde d'où vous venez. Et vous vous placez en toute confiance derrière le bouclier divin, essence protectrice et sélective du club. Renoncez-vous à tout pour le club? J'y renonce. Entrez alors dans la source, y puisez son énergie et son pouvoir. Degrés Celsius. 70 Fahrenheit, température ambiante. Ça roule. OK. La cible, c'est l'allumette. Tu la centres bien, d'accord? 926 degrés Celsius. 1700 degrés Fahrenheit. Température de la flamme de l'allumette. C'est parfait. Le tout pour le tout, maintenant. On continue. Tu triches pas. Prêt? Humain, terrestre, bénin. Ah, oh, c'est extraordinaire! Mais doucement, t'énerve pas. Prêt? Non humain, terrestre, bénin! Jusqu'ici, ça va. Il détecte l'aura d'une certaine façon. Mais reste à voir s'il arrivera à reconnaître des formes de vie non terrestres et hostiles. Comment y arriver? Eh bien, je prépare un programme avec l'ordinateur. Je lui fournis des données différentes de tout ce qu'on peut trouver sur Terre. Une fois qu'on aura ça, on verra si le casque répond bien. Thank you.
Merci, Mme Winslow. Passez-moi la sécurité, s'il vous plaît. Ça va, mes excuses, c'est une fausse alarme. Grace, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit. Si on vous découvre, vous allez vous faire renvoyer tout de suite. Si vous pensez devoir me dénoncer, je comprendrai. Agissez selon votre conscience. Je ne vous en voudrai jamais de l'avoir fait si vous estimez devoir le faire. Les dossiers des employés, pourquoi? Je veux vous faire lire quelque chose, Matt. Matt Winslow! Matt Winslow, est-ce que vous êtes par là? Ah, bonjour. Je suis Harry Thompson, président de la compagnie. Enchanté, monsieur. Bon, écoutez, accompagnez-moi donc, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Et tout de suite. Jessica, j'aimerais vous présenter Matt Winslow. C'est Mademoiselle Jones qui préside aux destinées de notre club. Rebonjour, Matt. Rebonjour. Vous vous êtes déjà rencontrés? Oh, nous nous sommes un petit peu croisés une ou deux fois. Vous êtes exactement la personne qu'elle recherche pour le club. On dit beaucoup de bien de vous. Merci, monsieur. J'ai pensé que ça ferait plaisir à Mademoiselle Jones de visiter votre labo. C'est que c'est très secret en matière d'expérience. Bien sûr, mais Jessica est de la famille. Montre-lui donc la combinaison et ensuite venez me retrouver dans mon bureau. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous me suivez? Ça, c'est l'ordinateur expérimental principal, ce qui nous renvoie à la combinaison. La combinaison qui sera automatisée à l'épreuve du feu, anti-choc, anti-corrosive. Elle sera également en mesure de faire... Vous faisiez du sport à l'université. Comment? Du sport. Ah oui, du canotage. Du canotage. Le casque est un petit peu... Je le savais. Je l'avais vu tout de suite à votre musculature splendide. Délicate, certes, mais très forte. Vous devriez faire partie du club, Matthew. Nous avons un excellent équipement, toutes sortes de choses agréables à pratiquer. Sans compter la crème des adhérents, la plupart de ces gens iront loin, comme vous. Je crois que ce n'est pas tout à fait mon genre. Certains gestes peuvent vous faire plus de bien que vous ne le croyez. Peut-être. Je vais y penser. Et c'est par ici. Où est Tom? Dans son bureau. Ah oui? Il est vide, son bureau, on dirait, non? Son tout nouveau bureau est le numéro 3. Dans l'aile de la direction. À demain matin. Matt, je voulais vous dire... Merci. De rien. Il appartient à qui ce bureau? C'est devenu le tien? Tu as eu une promotion? Tom, tu as eu une promotion? Oh, tu dois être ravi, non? Oui, je suis. J'ai seulement trouvé ça un peu long. Ah oui, mais j'aurais pensé que tu te balancerais au lustre. Oh, j'y ai pensé aussi, je t'assure, mais l'ennui, c'est que tout l'éclairage est encastré ici. Oh, content pour toi. Bon. Et dis-moi, tu me donnes ton accord? Pourquoi? Et pour te parrainer au club. Oh, non. Mais écoute, non. C'est vrai, je suis sérieux. Je suis en très bon terme avec la directrice, Mademoiselle Jones.
Oui, elle est en très bon terme avec bien des gens, celle-là. Tu sais que notre président a insisté pour que je lui montre notre équipement soi-disant ultra secret. Pas mal, hein? Oh, pardon. Et tu vois ce que je te disais? Tu t'inscris au club et tu n'arrêtes pas de côtoyer des gens haut placés, mon petit père. Oui, Tom, j'apprécie beaucoup ce que tu veux faire. Seulement, je suis certain de ne pas être fait pour ça, c'est tout. Mais pense aux enfants, ce serait un bon débouché au niveau social. Et aussi pour Patricia, ce serait fantastique pour vous tous. On a besoin de relations dans la vie, il ne faut pas négliger ça. On dira ce qu'on voudra, on ne peut jamais s'en passer. Et crois-moi ça, tu peux vite l'obtenir grâce au club. Et même si tu dois écraser quelques orteils, c'est ça la vie. Je comprends que ce soit ta vie, pas la mienne. Je suis très sensible à tes conseils et à tout ce que tu fais pour nous, c'est très gentil. Excuse-moi, il faut que je retourne à la programmation de la compagnie. Non, écoute-moi un peu. Ah, c'est quand même formidable. Ah oui, c'est formidable. Je suis très heureux. Je te félicite encore. Merci. Beau costume. Oh, merci. Tu sais qu'on a fait accorder le piano, en fin de compte. Ça s'entend. Tu es sûre qu'il ne risque pas de te déranger? Oh non, pas du tout. Alors, ma chérie, tu es prête pour t'amuser? Oui. C'est bien. Oh, les enfants, vous avez de la visite. Chérie, tout le monde est là. Bon, entrez. Ils sont impatients. Oh, tu es très gentille. Tu sais, je te remercie. Oh non, voyons, je t'en prie, c'est facile. Oh, mais dis donc. Vous avez une nouvelle voiture. Elle est belle. Oh ben ça. C'est Tom qui est revenu avec ça. Oh, c'est pas grand chose. Non, non, c'est rien. Tu parles, tu veux rire. Une voiture pareille, pas grand chose. Quelle belle couleur. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Oh, j'aimerais énormément que vous fassiez partie du club. C'est tellement merveilleux. On s'amuse beaucoup et puis il y a plein de gens importants. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dommage que Matt soit tellement têtu quand même. Au revoir. Les 10 dernières années n'ont vraiment pas été faciles, tu le sais bien. J'ai droit à ma part du gâteau maintenant. Et si c'est le club qui peut nous aider à l'avoir, je ne vois pas où est le crime. Je ne trouve pas que ce soit exagéré de désirer posséder quelque chose qu'on mérite. Patricia, c'est à ton tour de ne pas écouter, je vois. Je m'acharne à essayer de t'expliquer. Au bureau, tout le monde essaie de bouffer l'autre, de le surpasser, quel qu'en soit le prix. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, le club, c'est le sésame, ouvre-toi. Je t'avoue que ça me fait peur. Je peux le dire, c'est effrayant. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Je crois savoir ce qui t'effraie. Ce qui t'effraie, c'est la réussite. Matt? Regardez ce genre de choses, tu vas faire des cauchemars.
T'as eu tort de faire ça. Allez, au lit. J'ai dit, va au lit, t'as compris? T'as eu peur, hein? T'as sauté, monsieur Winslow. Bon, tout le monde au lit. Et dépêchez-vous, je ne rigole plus. Grace, vous avez les derniers résultats? Bonjour, monsieur Winslow. Je suis Tracy Winters. Oui, madame Anderson. C'est monsieur Thompson lui-même qui l'a renvoyé. J'ai planifié la réunion du personnel pour 11 heures tapant et les nouvelles données sur votre combinaison, vous les aurez à 3 heures. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé à madame Anderson? Ah, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis sûre que quand monsieur Thompson décide de poser un geste, c'est pour une bonne raison. Et il s'y tient en général. Je comprends ce que vous ressentez, Winslow, mais madame Anderson manquait de ce quelque chose dont une entreprise a besoin. De ce quelque chose? Est-ce que ce quelque chose a un nom pour vous, monsieur Thompson? Oh oui, ce nom, voyez-vous, c'est loyauté. Ici, à Microdigitech, nous exigeons une loyauté absolue. La loyauté? Je n'ai jamais eu de secrétaire plus franc. Et une fois une décision prise, nous aimons que les employés oublient leurs sentiments personnels au profit des nôtres. Ce serait dommage de compromettre l'excellent travail que vous avez accompli jusqu'ici. Bon, ça va trop loin. Il n'est pas nécessaire de s'énerver pour autant. Nous pouvons sûrement trouver un compromis. Écoutez, si vous êtes toujours du même avis, dans 2 semaines, votre chère madame Anderson vous reviendra. Cela vous convient-il? D'accord. 2 semaines. Ah, vous voyez bien. Alors, voilà une question de régler. On m'a dit l'autre jour, Tom, je crois que vous comptiez devenir membre de notre club. Bravo. Il vous a dit ça? C'est fantastique. Une décision qui vous honore. Je vois déjà venir avec plaisir le jour où vous serez les nôtres. Le club est un lieu très particulier. Vous l'apprécierez. Et bravo pour le boulot. Et voilà, on a un terrain de golf de calibre international, de magnifiques jardins, il y a des pistes d'équitation, des cours de tennis éclairés, la nuit bien sûr. Et une vue exceptionnelle et plongeante de quelque côté qu'on regarde. Vraiment, Tom? Ah non, 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 je blague, voyons, tu parles. J'ai beau avoir été nommé vice-président de la mise en marché, il n'y a rien à faire quand je suis avec vous deux, mon âme de vendeur refait surface. Mm-hmm. Allez, sois franc, qu'est-ce que t'en dis, hein? Je ne vois pas de terrain de basketball. Bon, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a là, Tom? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, je peux c'est... peut-être vous aider. Oh, ouais. Matt, tu connais Mademoiselle Jones, je crois? Oui. Nous nous connaissons. Patricia Winslow, notre grande directrice, Jessica Jones. Un plaisir de vous revoir, Matt. Ravie de vous rencontrer. Très heureuse. Si j'osais, je vous dirais que je vous trouve très élégante. Oui, c'est ravissant, cette teinte vous va très bien. Merci, Mademoiselle Jones. Si nous devons devenir des amis, ce que je souhaite le plus sincèrement du monde, vous devez tout de suite m'appeler Jessica. Vous n'avez pas le choix. Venez, c'est moi qui vais vous faire visiter. Tu sais que c'est très rare qu'elle insiste pour qu'on l'appelle par son prénom. C'est pas beau, ça, non? Mais allez, suis le mouvement. Ah, tiens. Ça, c'est ma pièce préférée, voyez-vous. Nous encourageons tous nos membres à faire de l'exercice, à rester en forme. C'est plus agréable. Je suis persuadée que vous comprenez ça, n'est-ce pas, Patricia? Bonjour, Elisabeth. C'est très bien, continue. Frank Stepson, président des ordinateurs Stepson et Lorme, Matt Winslow de Microdigitech. Enchanté. Très heureux. Dès que vous serez parmi nous, je serai heureux de vous parler de votre combinaison. J'ai entendu beaucoup de bien à votre sujet.
Nous formons une famille très unie. L'arrivée virtuelle d'un nouveau membre est une nouvelle qui se répand très vite. Une fois la période d'essai écoulée, quand nous aurons appris à vous connaître et vous à nous connaître, l'initiation devient une simple formalité. Ça peut prendre combien de temps? Oh, 4 semaines, quelquefois même 3, tout dépend de votre rapidité à vous intégrer. En ce qui vous concerne, je ne vois aucun problème. Vous êtes très gentil de nous dire ça. Ça serait formidable, hein, Matt? Oui. Je dois vous préciser que si Robbie et Chrissy veulent se joindre à tous leurs amis pour le bal de l'Halloween, il faudra que vous soyez déjà membre à part entière, c'est indispensable. Oh, je comprends maintenant pourquoi les enfants du quartier insistent lourdement. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire visiter les salons de réception. C'est par ici. Dit que je vous avais perdu. Non, c'est parce que j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un crier. Appeler au secours. C'était probablement quelqu'un qui criait d'extase. Le plaisir peut être poussé très loin, vous savez. Oh non, c'était plutôt comme si... L'argent n'est pas une priorité chez vous. Je sens cela. Vous lui préférez le pouvoir. Vous lui préférez le plaisir. Je me trompe. Non. Mais... Ayez confiance en moi. Je vous aime bien, Mathieu. Mais... Je suis... C'est... attachée à vous. Je vais faire tout mon possible pour que le temps que vous passerez à notre compagnie soit extrêmement agréable. Oh oui, croyez-moi. Je vais aller au château, Patricia. Où est-ce que tu étais passée? Je te raconterai ça tout à l'heure. On y va, d'accord? Oh, mais attends, Jessica nous a invités à déjeuner. Je veux y aller, Je t'ai moi. Dit qu'on s'en allait. J'ai quand même aussi le droit de faire ce que je veux, non? Quoi, tu veux déjeuner avec Jessica? Vas-y donc! Parfaitement, je vais y aller. Tu devrais peut-être devenir membre du club aussi, pour être avec le gratin. Matt! Viens avec moi, je t'en prie. Non! Toi, tu viens avec moi. Jenny, elle était là? Oui, chérie, Jenny et Jimmy, avec des enfants de tous les âges. Ils étaient venus aider à décorer pour l'Halloween. Et dans la piscine, il y a un plongeoir? Thank you.
Papa est pardonné? Oui. Ne vous éloignez pas trop, les enfants, on s'en va bientôt. Oui, oui, d'accord. T'inquiète pas. Qu'y a-t-il, Patricia? Vous avez l'air ennuyée. Oh, je trouve cet endroit merveilleux. C'est pour ça que... Enfin, je serais tellement heureuse si Matt pensait la même chose que moi. Moi, ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est ce qu'il y a ici qui peut faire peur. Qui effraie Matt et qui, au fond de lui, l'oblige à nous résister. Qui vous effraie, vous, dans le sens où vous ne pensez pas que l'on puisse modifier un peu les règles du club pour quelqu'un qui veut y être admis. Mademoiselle Jones... Jessica. Jessica, je ne suis pas sûre de vous comprendre. Eh bien, c'est pourtant très clair. Si de votre côté vous le voulez et que les enfants le veulent aussi, il n'y a pas de raison valable de suivre à la lettre le règlement qui veut que ce soit la famille au complet qui soit admise. Les enfants et moi, nous pourrions être membres sans Matt. Je ne vois pas ce qui pourrait être gênant. Pourquoi faire rater le bal de l'Halloween aux enfants? Pourquoi ne pourriez-vous pas fréquenter les gens qui vous attirent? Vous n'avez qu'à y réfléchir si vous voulez. Quand peut-on le faire? Patricia, Robbie, Chrissy, vous êtes à présent admis dans le cercle des initiés. Et grâce à ce bain symbolique dans notre très ancienne source, vous rejetez à jamais le monde d'où vous venez et vous vous placez en toute confiance derrière le bouclier divin, essence protectrice et sélective du club. Renoncez-vous à tout pour le club? J'y renonce. J'y renonce. Entrez alors dans la source, y puiser son énergie et son pouvoir. Les lits sont faits. J'étais sûr de m'être trompé de maison. J'ai juste le temps de prendre un thé ce matin. Tu es ravissante. C'est gentil de me le dire. J'ai pensé que tu méritais de dormir jusqu'à 8 heures. Je t'en suis reconnaissant. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Un accident de voiture pendant que je dormais? Il est arrivé quelque chose au club? Ah, tu sais, Snob a fait une remarque. Au club, on a bien joué, tu sais, on a adoré ça. On aimerait bien que... Que tu te joignes à nous. Tu veux faire entrer Napoléon? Ah, chérie, je crois que Napoléon est bien plus heureux dehors. Viens, mon gros, viens voir par là. Qu'est-ce qui lui arrive? Sors d'ici tout de suite, toi. Arrête tes simagrées. Et reste où tu es. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Tu vois bien qu'il a l'air effrayé. Pourquoi est-ce que tu lui fais encore plus peur? Je suis désolée, Matt. C'est uniquement parce que je l'ai vu grogner contre les enfants. J'ai cru qu'il voulait les mordre. Je peux le faire examiner. Oh non, ça va, chérie. Tu es déjà en retard. Non, vas-y. Je l'amènerai chez le vétérinaire. Il a peut-être avalé une cochonnerie. D'accord? Je m'en occupe. Sois tranquille. Ouais, d'accord. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait peur de vous. Ne sois pas ridicule. Allez, passe une bonne journée, hein? On ira voir le vétérinaire. À ce soir.
Alors, j'en ai terminé, monsieur le génie. Je t'offre une bière. Pas aujourd'hui, non, Tom. Écoute, si tu parlais, ça pourrait te soulager, non? Des histoires de famille, on se dit rien. Eh bien, ça serait pas la première fois qu'on en parle, tu le sais. Non, ce n'est pas grave, c'est juste que ma femme et mes enfants m'ont paru des étrangers ce matin. C'est comme si on vivait dans deux mondes différents ces jours-ci. Ah, je vois ce que c'est. Écoute. Je sais que tu ne veux pas en entendre parler, mais... ta femme et tes enfants voudraient que tu t'inscrives au club. Non, tu ne sais rien du tout. Je trouve qu'ils ont changé, Tom. Même le chien de la famille, lui aussi, a changé. Tu crois que je suis dingue, hein? Ah, moi, j'ai rien dit, hein? Non, sérieusement, est-ce que je te parais changé, moi? Ben, je suis le même gars. La seule différence, c'est mon nouveau poste et des notes d'essence qui augmentent. Allez, tu y penses, hein? Salut. Mademoiselle Winters. Allô? Allô, monsieur Matt Winslow. Vous vous souvenez de madame Anderson? Ça vous dit quelque chose? Qui? Oh, Grace, oui. Eh bien, c'est Walt, son mari. J'ai une clinique vétérinaire avec un chenil. Ah oui, elle m'avait dit que vous étiez vétérinaire, oui. C'est parce que j'aurais quelque chose à vous dire. J'espère que ça ne vous cause pas d'ennui que je vous téléphone au bureau. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'avais l'intention de téléphoner à Grace un de ces jours. Oh, je regrette, monsieur. Je me suis absentée 2 minutes. Aimeriez-vous que je reprenne le téléphone? Non, ça va, oui. La famille... vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Au revoir. Mais quelle est votre adresse? Anderson? Oui, ça va. C'est agréable ici. Plus agréable qu'au bureau, je dois dire. Alors, dites-moi tout, je vous écoute. Eh bien, votre femme a emmené le chien ici ce matin. Elle a dit que Grace vous avait donné ma carte d'affaires. Ah oui, je m'en souviens. Elle était restée sur le frigidaire. Eh bien, elle a emmené le chien ce matin. Elle a dit qu'il avait attaqué les enfants. Et elle a ajouté que ça suffisait comme ça. Ça suffisait comme ça? Elle a dit que le chien était méchant depuis tout jeune, qu'il avait sûrement une tumeur au cerveau, et qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. Quoi? Elle a dit qu'il fallait que je m'en débarrasse, que je le tue, le pauvre. Elle lui ressemble tellement peu. Elle l'adorait, ce chien. Et vous l'avez tué? Elle voulait me regarder faire. Je lui ai dit que je ne fonctionnais pas de cette façon. Alors elle a dit que ça faisait rien, qu'elle l'amènerait ailleurs. Elle répétait qu'il était dangereux, qu'il montrait les crocs aux enfants et qu'il fallait le tuer. Moi, je l'ai calmé, je lui ai dit je le ferai, mais il faut d'abord que vous en alliez. Il n'y a aucun autre vétérinaire à 50 km à la ronde. C'était des gros mensonges, bien sûr. J'ai horreur de ça. Mais c'est fait. Hey, Napoléon, viens ici, mon gros. Hey. Alors, comment ça va? Oh, tu es beau. D'après vous, il a l'air d'être méchant depuis sa naissance? Bonjour.
Bonjour, chérie. Je t'avais pas entendu entrer. Ça ne va pas? Je suis un peu étonné des couleurs. Tu ne m'as pas dit que tu voulais des couleurs assez vives? Ah, oh, c'est ça. Eh bien, j'en ai parlé à Jessica. Elle dit que la mode, cette année, c'est dans ces tons-là. Tu as eu une journée fatigante, chérie. Patricia, où est le chien? Napoléon? Mais il est chez le vétérinaire. Je viens de lui parler, figure-toi. C'est le mari de la secrétaire que j'avais à mon arrivée. Il m'a répété ce que tu voulais de lui. Il m'a répété ce que tu lui avais raconté. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, je fais en sorte de te donner ce que tu veux, Matt. Je m'acharne à être une parfaite épouse, la mère parfaite et même l'amante parfaite. Qu'est-ce qu'il te faut? J'essaie de te donner tout ce dont tu as besoin. Alors, dis-moi, est-ce que je t'en demande beaucoup de mon côté? Tout ce que je te demande, c'est de passer plus de temps avec nos enfants et avec moi. Fais attention. Tu vas devoir choisir entre nous, ta famille, et un chien qui a peut-être la rage, on ne sait pas. Matt, donne-nous juste un petit peu plus de toi, c'est tout ce qu'on veut. Juste assez pour que nous restions unis. Rapproche-toi de nous, Matt. Rapproche-toi de nous avant que nous ne devenions des étrangers les uns pour les autres. D'accord, Patricia. C'est d'accord. Tout va s'arranger. Une crise cardiaque. Ça va? Oui, bien sûr que ça va. Non, mais tu as quelque chose. Je n'ai rien, mon chéri. Je voulais te taquiner, c'est tout. Enfin, presque. Mais écoute... Tu m'as bien entendu, j'ai dit presque. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que tu me fasses l'amour. Tu veux bien me faire l'amour, mon chéri? Dis que tu veux. Eh bien, c'est moi qui vais vous faire l'amour, très cher, c'est tout. Oui, laisse-moi te faire l'amour. Patricia.
Walt, c'est moi, Matt Winslow. Est-ce que Grace est à la maison? Elle vient de mourir. Quoi? Les flics m'ont dit qu'elle avait dû s'endormir au volant. Je ne sais pas. C'est affreux. Elle a quitté la route. Il y avait un arbre. Mon Dieu. Walt. Je suis navré. Et la voiture a brûlé. Il n'est rien resté du tout. Que les nouveaux meubles devaient arriver aujourd'hui. C'est à peine croyable comme ça peut transformer un lieu. Attends, mais... le piano est neuf. Mais on n'avait pas acheté de piano. Oh, il est magnifique, cet instrument. Tu as entendu comme il sonne? C'est... ça change un petit peu de la douce Patricia à laquelle j'étais habitué. La douce Patricia, hein? Et alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants et à nous? Ça? Moi, ce que je veux réussir à atteindre, c'est le pouvoir. Et on l'atteint en devenant membre du club. On a cette sorte de pouvoir qui nous permet la possession. J'ai peur de m'être un peu emportée. Je suis désolée. Mais je voudrais que tu me comprennes. Ah oui, et d'où vient ce piano? Oh, tu ne le croiras jamais, mais tu sais que pour se faire pardonner l'histoire de l'autre jour, le tête-à-queue, elle nous l'a offert. Elle me l'a offert à moi. Mademoiselle Jones? J'en suis gênée. Tu te rends compte, elle est incroyable. Oui, incroyable. Quelque chose, Matt. Matt Winslow! Je vois déjà venir avec plaisir le jour où vous serez les nôtres. Promu à la direction régionale.
tout le monde reçoit des promotions. Combien d'entre eux étaient membres du club de Steaming Springs? D'autres ballons. Oui, ici. Comment ça se passe? Ah, bien, très bien. On se dépêche. Mademoiselle Jones veut que tout soit prêt à l'heure, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Non, non, mais... Vous voulez bien me dire ce que vous faites là, vous, à bavarder au lieu de travailler? Et toi, t'es là-haut depuis 20 minutes et t'as encore rien foutu. C'est si compliqué que ça. Ah!
méchant lapin. Tiens, ça t'apprendra. Méchant lapin, méchant, méchant, t'es méchant. Méchant, méchant, méchant. Chrissy? Ah, papa, t'es là? Oui, je suis là, c'est bon de te voir, chérie. C'est pas bon. Nous, on n'aime pas ce qui est bon. On déteste ça. On n'aime pas le bon. Pas du tout. On a horreur d'accord, de ça, chérie, nous. D'accord. Je veux pas que tu t'approches de moi. Ah, oh, tu n'es pas ma fille. Dis-moi où se trouve ma fille. Elle est là devant toi, Chrissy. Tu racontes des histoires. Elle est là-bas, ma petite fille, dans la source. À la source, c'est la gentille. Mais celle que tu vois ici, c'est la méchante Chrissy. Tu n'as que la méchante Chrissy maintenant. Comment je vais pouvoir la faire revenir? Dis-moi comment. Si tu vas à la source, tu brûles. Arrête-toi, je t'en prie. Tu vas finir par te blesser. Je n'ai qu'un moyen pour te faire revenir et je vais m'en servir. Chérie? Arrête-toi, Robbie! Je vais te tuer! Mais Patricia! Qu'est-ce que tu fais, Matt? Ah, Tom, c'est toi. J'ai enfilé la combinaison pour faire quelques essais. À 8 heures du soir, un samedi? Oui. Oui, tu connais le dicton. Un cerveau oisif, c'est la boutique du diable. Et cette peur que je vois dans tes yeux, d'où vient-elle? Tu n'es pas de notre côté, Matt. Tu as eu ta chance et tu n'as pas su la saisir au vol. Tu es un perdant. Attends. C'est nous qui gagnons. Oui, nous sommes les gagnants. Et je vais te dire ce qu'on fait des perdants. On les élimine. Yeah.
Bonsoir, monsieur Peterson. Magnifique, votre costume. Vous êtes content de votre voiture? Oui. Oui, ça roule. C'est parfait. Ça se passe à l'intérieur? Oui, c'est ça. Non-humaine. Entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là-dedans? Bonsoir, Larry. C'est moi, Tom Peterson. Vous êtes voilier. Sortir une combinaison de 10 millions de dollars du labo. Il y a la moitié des dirigeants de l'industrie aérospatiale ici ce soir, non? N'est-ce pas la meilleure façon de faire de la promotion? De toute façon, ce n'est que la réplique, ce n'est pas la vraie. Ça, c'est génial. Ah oui, hein, c'est pas autre chose que génial. Ah, hé, tout le monde, vous avez vu Peterson? Laurence. C'est fantastique, ça c'est un déguisement. C'est Peterson qui va sûrement gagner le prix. Ce n'est pas Tom Peterson. Thank you.
pouvoir m'échapper. Vous croyez que vos armes peuvent m'atteindre? Tout cela n'est qu'illusion, pure illusion. Ne faites pas l'idiot. C'est Chrissy, je la reconnais. Si vous sautez, vous vous briserez en mille morceaux. Ce que je veux, c'est vous faire admettre une chose. Vous voyez que tout le monde est au club. C'est en toute liberté que ceux qui sont venus ici se sont plongés dans la source. Alors vous aussi, vous pouvez choisir le pouvoir et faire de vous un être fort, libre. Non, pas au-delà! N'allez pas au-delà! Même votre combinaison n'y résisterait pas. Ramener, ma chérie. Ah! Je vous avais averti, Matthew. Vous auriez mieux fait de m'écouter. Vous périrez si vous essayez de la libérer, je vous le garantis. De toute façon, ce n'est que la faible, la mauvaise, Patricia. Oh non. Non, c'est la bonne, je le sais. Je comprends ce que vous avez fait. Vous avez pris tout l'amour. Tout ce qu'avaient de bon en eux les gens du club. Et vous les avez cachés ici.
Je suis venu chercher la bonne Patricia. Oh, elle n'en vaut pas la peine. Surtout à côté de moi. Maintenant, je comprends. Est-ce que j'ai pu être idiote? J'ai cru que je pourrais te tenter avec de l'argent, avec Laurent. Ce que tu veux vraiment, c'est le goût du feu. Tu sais que j'ai raison. Tu sais que toute autre chose t'ennuierait à mourir. Admets-le. C'est moi que tu veux. Non, je veux ma femme. Je veux mes enfants. Je veux ma famille. Je te donnerai, je peux le faire, Matthew. Ton corps ne sera que cendre et ton âme maudite pour l'éternité, je peux le faire. J'en serais très étonné. Rappelez-vous ce que vous avez dit. Les seuls moyens que je possède sont tentation, provocation et mensonge. Le choix est entre nos mains à tous les deux. Il est entre mes mains. Patricia. Matt, arrêtez-vous! Patricia. Rappelle-toi où on était quand on s'aimait. Quand notre amour était la chose la plus importante du monde. Patricia. Je t'aime toujours. Matthew! Oh, Matt! Oh, Matt! Je t'aime! Je suis là! Papa! Oh, je n'arrive pas à respirer! Attends, Pat! Ne le touchez pas! Roby, mon Roby! Ne le touchez pas! Roby! Papa! Allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard! C'est un ordre! Papa! Papa! Chrissy! Ne les touchez pas, Teddy! Où étions-nous, Matt? Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est fini, on est à nouveau réunis. Non. Je t'aime. C'est fini. C'est fini. Incendie au club. On en parle à la télévision, ça a brûlé toute la nuit. Il y a des blessés? J'en sais rien, mais il y a beaucoup de pompiers sur les lieux. Il paraît que le club a flambé toute la nuit, qu'il n'arrive pas à l'éteindre. Allons voir ça. Ça brûle! C'est le club qui brûle, il paraît que c'est grave! Oui, chérie, tu as raison. Et il ne reste plus rien. Et le lapin a faim. Il faut aller lui donner à manger. Ouais. Allons-y. Tu viens, Matt? Oui, j'arrive.